C'est la boulangerie Prévost, Philippe Prévost, on est sous bois, boulevard Strasbourg. Nos spécialités, c'est la flûte de lait, baguette de tradition, au levain, une farine bio, la belle rouge. Et je vous présente ma collègue Myriam. Myriam, vendeuse depuis 6 ans. Donc voilà, ça se passe un peu très bien, très bonne entente avec les collègues. Les clients, c'est sympa. Boulevard animé quand même, hein. Un boulevard assez animé. Hein. Depuis combien de temps vous êtes là déjà? Ça fait 6 ans. 6 ans? Oui, plus de 6 ans. Non, un petit peu. En fait, ça a été racheté. Disons, la boutique en elle-même, elle existe déjà depuis un certain nombre d'années. Et en fait, ça fait 6 ans que M. Prévost a repris. D'accord. Voilà. Donc vous avez réussi à fidéliser une certaine clientèle. Oui. Est-ce qu'elle vient également ailleurs dans les sous-bois? Est-ce que vous avez des clients qui viennent un peu plus au sud ou un peu plus au nord acheter typiquement chez vous parce que vous faites du bon pain? Oui, donc en fait, ils viennent spécialement pour la flûte parce que ça se fait qu'ici, en fait. D'accord. Celle-là se fait qu'ici, donc... C'est la particularité. Voilà. Donc ils viennent d'un petit peu de Lamini, de Drancy, de la ville, qui viennent d'un peu d'autre. D'accord. Ouais, juste pour cette baguette-là. Ouais. Écoutez... Et qui va que pour nous aussi. Alors elle est aussi bien nature qu'avec les céréales. Il y a 5 céréales. Et voilà, elle est assez bonne comme baguette. C'est une mie assez serrée. Voilà. Alors, en parlant de flûte, voici quelques flûtes vendues en direct. En direct, voilà. Mais elle part bien, c'est vrai que c'est une baguette qui est arrivée en plus de ça. Qui prouve sa popularité. Voilà. Je ne sais pas, madame. Madame, qu'est-ce que vous en pensez de la flûte? Ah, bien. Hein, très bien. Voilà. Vous y reviendrez. Voilà. Bon, écoutez, merci. Moi, je vous en prie. Bonne journée.